Tutto Europa, Sandrine Bonner. Alors Marcello Mastroianni, je crois que c'est l'acteur que j'ai le plus aimé dans toute la carrière que j'ai faite. Il y a Marcello Mastroianni et il y a Jacques Dutronc. C'est les deux comédiens qui m'ont le plus touché. Mastroianni, il a une humilité incroyable. Et en fait, c'est drôle parce que quand on a commencé le tournage, comme c'était quelqu'un de très simple, on avait une très bonne relation, j'étais très à l'aise. Et puis après, au bout d'une semaine, je me suis dit, mais oh, en fait, je travaille avec Marcello Mastroianni. Et là, j'ai eu un trac terrible. Pendant un mois, j'étais complètement traqueuse. Et je me suis dit, il faut absolument que je me débarrasse de ce trac. Et je suis allée le voir et je lui ai dit, Marcello, je t'aime tellement. J'ai tellement peur finalement de travailler avec toi. Je lui ai dit, tiens, je t'offre une rose pour essayer de casser le trac. Et puis ça a marché. Après, j'étais de nouveau très à l'aise avec lui. Un type formidable. Agnès Varda, l'aplomb. Lionel Jospin, un sauveur pour Sabine. Jacques Doyon, 42 fois la même scène. Gérard Depardieu, la brutalité. Daniel Auteuil, la timidité. William Hurt, le talent exceptionnel. Maurice Gallat. Bonjour, je suis Sandrine Bonner et vous regardez la chaîne Europe Europe.